Salut, salut, la famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer des images de Yopougon, la commune, vraiment, qui est toujours en joie, qui est toujours en chéquité, qui est toujours souriant. Je suis très heureux de voir, de tomber sur des images comme ça, que franchement, papa Ado même en train de travailler. Il est en train de goudronner là-bas encore à Yopougon. Mais il n'a pas dit que Yopougon n'était pas goudronné, mais quand même, regarde ce qu'il est en train de faire. Regardons ensemble les images qui défilent à ma gauche là. C'est joli à voir. Dépenser à n'importe quel type de commune à Yopougon, à Abidjan. Parce que Papa Ado n'est pas là pour dire que oui, ceux qui disaient oui, Yopougon c'est pour Gbagbo et Abobo c'est pour. Alassane, non, Papa Ado n'est pas comme ça. Papa Ado, lui, il est venu au pouvoir. Il n'est pas là pour dire, bon, tel truc, telle commune, eux, ils ne m'ont pas soutenu, telle commune m'ont soutenu. Non, lui, il travaille pour son pays. C'est ça, on dit un président. Vous, mais quand vous voyez les images là, soyez fiers quand même. Je n'ai les gars, les Yopougolais, les Yopsidi, franchement, mes frères et sœurs, il est temps de supporter, de remercier aussi Papa Ado. Même si tu ne l'aimes pas, quand même, il faut aimer son travail. Travail qu'il est en train de faire, là. Regardez la commune de Yopougon. C'est joli à voir. C'est joli à voir. Même toi, mais tu es étranger, mais tu vois, là, si tu ne fais pas attention, mais tu vas dire non, ça là, ça doit être. Est-ce que ça là, maintenant. Tu vas dire non, c'est Lagos, mais tu dois dire c'est Nigeria. Voilà. Ou tu peux dire c'est Afrique du Sud. Oh, c'est à Yopougon. C'est ça, on dit oui, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui n'a pas peur de travailler pour son pays. C'est celui qu'on appelle le docteur, Papa Alassane. La jeunesse de Yopougon, moi, je vous appelle pour vous dire, laissons à faire des dînes que Yopougon, c'est pour Gbagbo. Yopougon, c'est pour Blé Boudé. Abobo, c'est pour Alassane. Abobo, c'est pour Soro Diop. Non, laissons ça là. Aucun président vient au pouvoir, même si tu ne l'as pas voté. Mais quand même, s'il est en train de travailler pour ton pays, tu dois le féliciter et tu dois l'encourager. Ne restons pas là pour dire non que oui, Gbagbo n'est pas au pouvoir là. Donc c'est tout ce qu'Alassane va faire là, c'est méchant. Non. Si tu aimes vraiment ton pays, si tu aimes vraiment ta commune, si quelqu'un est en train de s'occuper de ta commune, mon frère, il faut l'encourager et il faut l'aimer aussi. C'est ça qu'on appelle le docteur. Le papa qui n'a pas peur de travailler. Le papa qui n'est pas là pour dire je vais distinguer, je vais dire tel truc, tel non. Tant de guerres, nous tous, on a vu. Mais quand même, lui, il a ignoré ça. Il n'est pas venu pour dire il va diviser les communes. Non. Papa Ado n'est pas venu pour diviser les Ivoiriens. Il est venu réconcilier les Ivoiriens. Il est venu donner l'amour que les Ivoiriens n'avons pas. Cet amour-là, on doit le partager ensemble. Cet amour qu'il est en train de réaliser partout, où la Côte d'Ivoire s'est transformée en petit Paris, franchement, il est temps. Il est temps de féliciter ce monsieur. Il est temps aussi de remercier ce monsieur. Et il est temps de prier pour lui, pour qu'il puisse toujours rester en vie. Mes frères et sœurs Yopougolais, les Yopsidi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont vraiment contents de voir les réalisations que Papa est en train de faire à Yopougon, partout en Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens qui sont contre de ça. Mais moi, je t'ai dit, mon frère, Papa Ado, regarde pas ça. Yopougon, c'est ta commune. Yopougon n'est pas ta ville natale. Donc, si quelqu'un vient travailler, toi aussi là, faut faire un petit geste. Là, il puisse me dire non, oui, franchement, ici là, c'est pas pour Gbagbo. Ici, je suis venu pour travailler. Ils n'ont pas coupé le nombre de Gbagbo à Yopougon. Et ils n'ont pas coupé le nombre de Papa Alassane à Bobo. Quand tu es un président, tu diriges tout. La Côte d'Ivoire est dans ta main. Tu travailles où tu veux.
tu travailles où tu vois que ici, là, tu peux vraiment développer là. Tu travailles, c'est là-bas tu travailles. C'est ça, on dit papa. Et ça, on dit un père, tu n'es pas là pour trier ses enfants, pour dire j'aime telle personne, j'aime pas telle personne. Papa adore comme ça. Papa adore comme ça, mes frères et sœurs. Il est temps. Je sais que Gela, il y a eu des morts, il y a eu des massacres. Mais vous, papa Ado était toujours là à vos côtés. Et il restera toujours là à nos côtés. Et on doit le soutenir. Regarde les images qui défilent. Moi, je suis content quand je parle comme ça. Parce que papa Ado, il ne joue pas avec le travail. Quand il dit, il le fait. C'est ça, on dit un homme de parole. Un homme de parole qui n'est pas là pour dire je vais faire ça là et il ne fait pas. Et je vais pas. Et puis il dit non, je vous promets ça là. Et il ne fait pas. Non, papa Ado n'est pas comme ça. Quand il te dit toi, je vais faire ça là pour toi là, il le fait. Moi, je préfère quelqu'un qui travaille pour mon pays que quelqu'un qui vient me donner de l'argent. Tu vas me donner l'argent là, je vais bouffer et puis c'est fini. Mais quelqu'un qui travaille pour mon pays là, je suis fier de lui, je suis content. Je n'ai pas besoin de son argent. J'ai juste besoin de ses réalisations. C'est ça, on dit. Je soutiens telle personne. Mais il y a des gens qui sont là. Eux, ils préfèrent que l'argent. Il faut leur donner l'argent. Si tu ne leur donnes pas l'argent, ce n'est pas bon. Il faut leur donner les postes. Pour qu'on puisse dire, oui, tu as soutenu lui là, franchement. Il t'a donné poste, hein, tu travailles bien, tu as l'argent. Non. Oui, ça peut être un besoin personnel, mais quand même, il faut penser à la population. Il faut penser à tes frères aussi. Il faut penser à ta famille. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Donc si toi, tu es là, tu fais tes vidéos, tu te bats pour la Côte d'Ivoire, dis-toi que toi, tu te bats pour deux personnes. Tu te bats pour les Ivoiriens et tu te bats pour ton pays. Non. Voilà. La case c'est comme cela. Mais si vous n'avez pas dit n'importe quoi, ça ne te dit rien. Parce que toi, tu t'es battu pour eux. Donc, mes frères et sœurs, prions Dieu, chaque commune et chaque ville. Et chaque ville, papa Ado puisse travailler pour que nous tous, on puisse être heureux. Il est venu au pouvoir pour travailler, pour tout le monde. Donc, si tu vois que ta commune n'est pas encore bien arrangée ou soit ta ville n'est pas bien arrangée, tu peux faire une vidéo. Tu vas interpeller le gouvernement. Ils vont t'aider. Quel que soit Alpha, ils vont t'aider. Eux, c'est leur rôle. C'est leur rôle de construire partout. C'est leur rôle de réaliser les projets partout en Côte d'Ivoire. Donc, la jeunesse ivoirienne, il est temps. Il est temps de se réveiller. Ne restons pas là pour dire non, oui, lui là, je le déteste, je ne l'aime pas, c'est comme ça. Non. Il est temps que nous-mêmes, on se réveille. Il est temps qu'on dise non aux gens qui passent notre temps à nous mentir. Que ça là. Et il y a des gens qui vont voir la vidéo, vont dire, oh, ça là même, tant de bédis et tant de fou, c'était là. Il pouvait être déjà goudronné, il pouvait être comme ça. Oui. Mais ce n'est pas partout où il pouvait être goudronné. Mais aujourd'hui, regardez, partout. Avec Bobo, commencez partout, tout en train de pousser, goudron en train de pousser. C'est ça, on dit oui, bâtisseur. C'est un bâtisseur qui a pris le pouvoir. Ce n'est pas les fleques, ce n'est pas les nyama-nyama. C'est un homme de parole qui a pris le pouvoir. Donc on doit le soutenir, honnêtement. Et je dis, papa Ado, tu as mon soutien. Tu as mon soutien, mais je ne suis pas RADP. Je ne suis pas PDCI. Voilà, c'est là le problème. Donc, c'est ça qu'il dit dans mes vidéos toujours que je suis content et je suis heureux de voir quelqu'un qui travaille pour mon pays. Et je dois toujours soutenir cette personne. Là, c'est normal. Même si quelqu'un me dit, il sera vilipendé pour dire Soro Guillaume, il sera dit autre chose, Babo, il sera dit Afin Guessa, il sera dit tout. Celui qui vient au pouvoir et puis il voit qu'il entre et travaille comme papa Alassane. Moi, je vais le suivre. Et je vais faire des vidéos pour dire merci, mon président.
que tu es en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. C'est tout. Si je ne suis pas là pour dire non, telle personne n'est pas bonne, telle. Non, 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 non. Je ne suis pas dedans. Pareil, moi, je ne suis pas parfait. Voilà. Je ne suis pas parfait pour dire je vais me lancer les éloges et que moi-même, mon derrière, me gâté. Donc, franchement, si tu es nouveau, tu es nouvelle, tu peux t'abonner sur ma vidéo, à travers ma vidéo, tu peux t'abonner et liker aussi, laisser les commentaires. Merci, Yopsidi. Franchement, la commune où tu arrives et puis toi, mais ton âme est tranquille. Ton âme est tranquille, elle a la joie parce qu'il y a toujours la joie là-bas. Voilà, c'est pour cela. Le pougon est toujours chic. Il n'y a pas trop de poulies. Donc, on va faire beaucoup de bêtises. Non, il n'y a pas trop de bêtises là-bas. Donc, je n'ai pas dit que c'est pas le pougon sur les noms. C'est pas tout. En bien, en Côte d'Ivoire. Ciao.